design, production, distribution, la solution pour tout vos attentes. Belle image production, Isaac Mabakawane. Chers téléspectateurs, nos amis internautes, chers enfants de Dieu, chers serviteurs de Dieu, nous vous saluons encore et nous vous disons shalom, shalom là où vous êtes. Shalom à tout le monde, shalom à nos auditeurs, shalom à nos téléspectateurs, shalom à tous les amis qui nous aiment bien. C'est à vous, votre présentateur, encore dans vos petits écrans, le frère Josué Boloa. Comme vous savez, toujours prêt à vous rendre service afin que le royaume des cieux puisse aller de l'avant. Nous voici encore une fois une autre édition. Nous recevons maintenant dans cette émission une servante de l'Éternel venant tout droit de Durban. Comme vous savez, notre émission c'est partout, n'est-ce pas? Nous recevons tout le monde, Cape Town, PE, Port Elizabeth, Western Cape, Eastern Cape, partout où vous êtes. Ça, c'est votre plateforme pour faire valoir vos produits et à ce que le Seigneur a mis dans vos cœurs comme don, comme talent. Voici, merci encore une fois à Papa Jean-Marie, à la prise de vie ainsi qu'à la réalisation. Alors, sans plus tarder, avant que nous puissions aller plus loin, je vous balance pour poser quelque chose pour découvrir l'artiste que nous recevons dans cette émission que vous aimez tant. Je demanderai à la régie de nous balancer. À nos téléspectateurs, pour la première fois de vous voir ici, nous sommes ici en Afrique du Sud, spécialement à Djobou. Vous venez tout droit du Durban. Est-ce qu'il y a moyen de vous présenter à nos téléspectateurs? Merci beaucoup. Je suis remplie de joie d'être ici à Djobour. Je suis N.M. Mami Maombi et je suis congolaise de la République démocratique du Congo. Et je suis aussi chrétienne, née de nouveau. Je suis de la province du Sud Kivu, Bukavu. Mais qu'est-ce qui fait que vous puissiez vous retrouver dans la musique? How it happened? Ben, je suis née de nouveau, bien sûr, et je suis très fière de ça. Et je me suis retrouvée dans la musique. Je dirais que c'est Dieu qui m'a fait entrer dans la musique parce que mon père chantait. Alors, et souvent à la maison, mon père avait cette habitude de chanter pendant la nuit, le matin, même pendant la journée. Et ensuite, lorsque je grandissais seulement comme ça, lorsque j'étais encore petite, on allait dans l'école des dimanches et là, on avait l'habitude de chanter. Et là, je commençais à sentir que chanter me faisait du bien. Et directement, j'avais intégré la chorale. Et là, on chantait seulement comme des petits enfants, mais là, je n'étais pas vraiment consciente de ce que je faisais. Mais quand même, I was enjoying, like they say it in English, I was just enjoying what I was doing. And I loved it. And as I grew up, j'avais intégré beaucoup de chorales. Before we go further to our show and notre entretien avec la sœur, elle va nous improviser a cappella d'une chanson, pas de ton album. D'une sœur sud-africaine, congolaise, que tu aimes bien. Hein? Moi, qu'appelle improvisation, mon caca. Ça va faire du bien, téléspectateur. Waouh! Ok. Il y en a plusieurs sœurs que j'aime et même plusieurs frères que j'aime en Christ. Mais laisse-moi seulement chanter un petit a cappella de ma sœur que j'aime bien, Marie Misamou. Ah, okay. Mokeli nanga ayebingai na kombo nangai ngai pe na yebie na kombo na ye mokeli nanga aloga yebingai na kombo nangai na ndimie heya ngai pe na yebie na kombo na ye toyemba mokeli nanga ayebingai na kombo nangai Gaipe na yemiye na kombo na ye